Bonjour, je m'appelle Claire Stride et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je suis consultante en intelligence relationnelle et coach pour les personnes bizarres, c'est-à-dire les personnes hypersensibles et atypiques. Ce sont les gens qui relèvent de la neurodiversité, dyslexique, dyspraxique, haut potentiel, troubles de l'attention, syndrome d'Asperger, etc. Aujourd'hui, on va voir comment bien commencer la journée et que tu sois hypersensible ou pas, atypique ou pas, tu vas voir, ça fonctionne pour tout le monde. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait, toute ta journée va être conditionnée en fonction de comment tu la démarres. Tu sais, il y a cette histoire de se lever du pied gauche, en fait. Alors qu'il soit droit ou qu'il soit gauche, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu te lèves avec des idées de merde, forcément, tu passeras une journée de merde. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, toute première chose, les premières pensées que tu vas avoir quand tu te réveilles, si tu es en train de râler parce que ton réveil sonne et que tu étais au milieu d'un super rêve, si parce que tu voudrais vraiment dormir encore 10 heures de plus ou parce que juste t'as pas envie d'y aller, rien que le fait que tu commences à te dire « Ah putain, j'ai pas envie de me lever », bah ça commence déjà à jeter un petit voile négatif sur ta journée. Alors comment faire ? Essaie de faire en sorte que tes premières pensées du matin soient des pensées positives. C'est-à-dire que tu sais quand t'es à ce moment-là où tu es en train de te réveiller, où tu es en train de garder encore les yeux un peu fermés, où tu es encore sous ta couette là où tu es tout bien, et ben tu vas juste commencer à sourire. Commence à sourire, même t'as encore les yeux fermés, tu souris. Tu éteins ton réveil, ton téléphone, ce qui te sert de truc qui retentit le matin pour te tirer des bras de Morphée, et tu commences à sourire. Et tu commences à te dire que c'est chouette. Tu viens de passer une bonne nuit, même si elle était courte, même si tu voudrais dormir encore davantage, et que tu vas passer une super journée. Et rien que le fait de commencer comme ça ta journée en souriant et avec une pensée positive, ça va te faire beaucoup de bien. Il y a une vidéo sur une méditation sur le sourire intérieur que je t'invite à regarder parce que tu verras à quel point sourire c'est puissant dans tout l'équilibre que ça peut t'apporter dans ton corps. Donc sourire, pensée positive. Et puis tu vas la préparer cette journée, tu vas pas aller la subir, parce que c'est ça qui fait qu'on a des journées de merde, c'est qu'on subit nos journées, c'est qu'on laisse les problèmes nous tomber dessus les uns après les autres, et on se plaint, et on se dit il manquerait plus que, et hop, pouf, il manquerait plus que, te tombe sur la tronche. Et ce qui est important, c'est que tu arrêtes d'être dans cet état de victime, d'être dans cette passivité, d'être un réceptacle en merde en fait. C'est pas très beau comme image, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et je peux t'assurer qu'à un moment de ma vie, j'avais l'impression de vivre mes journées comme ça. Et que des fois, je commence à voir la vie un petit peu en négatif, je peux vite retomber dans ce paramètre. Mais heureusement, je sais maîtriser mes pensées. Je te rappelle, dans la vie, tu as le pouvoir sur 4 choses, tes pensées, tes mots, les actions que tu fais et l'éthique dans lesquelles tu fais tout ceci. Ça change la vie. Donc on commence dès le matin par reprendre le pouvoir sur nos pensées. Et ça va te faire un bien énorme. Donc tu souris, une pensée positive, j'ai bien dormi, c'est chouette, ma journée va être chouette. Et je visualise ma journée. Tu vas visualiser ta journée. Tu sais que tu vas avoir cours avec un tel, tu sais que tu vas croiser un tel sur le chemin. Tu sais que tu vas avoir tel rendez-vous avec tel client. Tu sais que tu vas aller chez le dentiste, tu sais que tu vas aller chez le kiné, tu sais que tu vas te faire masser, que tu vas te faire épiler. Peu importe ce que tu vas vivre dans ta journée, tu vas vivre des choses qui vont te faire du bien. Tu vas vivre des choses qui vont contribuer à la construction de la personne que tu es. Et ça, c'est fondamental. Ta journée est importante parce que c'est la tienne. Ce n'est pas une journée pourrie, ce n'est pas une journée foutue, c'est une journée qui concourt à la création de qui tu es. Donc c'est important parce que tu es important. N'oublie jamais ça. Donc mets véritablement toute cette pensée positive dans ce que tu vas vivre par rapport à ta journée. Je t'invite à faire ce rituel et à mettre une musique dès le matin qui te fera du bien. Un truc qui te donne la pêche, tu vois, pas un petit évite le heavy metal dès le matin, ça fait, pour les voisins c'est pas génial. Mais une musique entraînante, un truc vraiment chouette, un truc qui fait que tu te sens bien, que t'es heureux, que t'es happy, etc. Un truc qui va te donner le sourire toute la journée ou quand tu vas l'avoir en boucle dans la tête, ça va te faire du bien. Choisis ta musique. Choisis-la et passe-la le matin. Quand tu te brosses les dents, par exemple, ça va te faire du bien. Chantonne-la. Sous la douche, bien évidemment, on est tous des grands, grands chanteurs sous notre douche. Vas-y, fonce, chante, souris. Et ça, c'est très, très important. Et ce que je vais te proposer de faire, en fait, c'est que pour vivre cette journée, pour bien la commencer, pour bien la vivre, c'est de rester dans cette pensée positive. Bien sûr, il va y avoir des choses un peu chiantes qui vont arriver dans ta journée. Ben oui, c'est la vie, il y a d'autres êtres humains, il y a plein de trucs, voilà. Mais toi, tu vas choisir de mettre ton focus sur ce qui est chouette. Et
Je vais t'inviter à être attentif à ce qui va se passer autour de toi, dans ta maison, dans la rue, dans le ciel, tu sais, rien qu'un lever de soleil, rien qu'un rayon de soleil, rien que ton chat blotti sur le canapé, ou ton chien en train de dormir comme un petit chiot, ou je ne sais quoi, ou ta chérie, ton chéri, tes enfants, tout ça, c'est des moments de bonheur. Bah, regarde ces moments de bonheur. Fais comme si tu prenais des photos, hein, instantanées, un petit peu comme si tu sortais des petits polaroïdes dans ta tête, et tu vas te créer en fait toute une bibliothèque d'images de bonheur que tu vas pouvoir garder à l'intérieur de toi. Et ça, c'est super important parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on a besoin d'avoir cet ancrage de bonheur en nous. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille en PNL, en programmation neuro-linguistique, la notion d'ancrage. Et là, tu vas te créer en fait un réservoir à bonheur, un réservoir d'images à bonheur toute ta journée. Je te dis pas ça de façon totalement, comment dire, un peu débile, mon des bisounours, licorne et tout ça. Je te dis ça parce que ça fonctionne. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on fait du positif, on génère du positif. C'est une question de vibration, une question d'énergie, et c'est scientifiquement prouvé. Ce que je te dis, c'est que véritablement d'être attentif à cette énergie que tu dégages, à cette énergie que tu envoies et à comment tu interagis avec le monde. Donc, dès le matin, prends tes petites photos de bonheur, tes photos de bonheur, tes images qui vont te permettre d'avoir cet ancrage positif. Et dans ta journée, sois attentif à tout ce qui est chouette. Ça peut être un tag que tu vas voir sur un mur, ça peut être le sourire d'une personne, ça peut être... je sais pas, une sculpture en chocolat dans une vitrine, oui j'adore le chocolat, je suis souvent orientée sur le chocolat, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un tas de feuilles mortes que tu vas trouver poétique. Je veux dire, le beau se voit en tout quand on sait le regarder. Et ce que je t'invite à faire, c'est que dès le matin, toi tu vas placer du beau et du bonheur dans ta vie. Tu vas faire en sorte que la colère, la tristesse ne soient pas maîtresse de ta journée, ne soient pas maîtresse de ton destin. Faire en sorte que le fait de râler, le fait de tout voir en noir, bah, ce soit plus ce que tu as envie de faire. Alors, tu commences ta journée par sourire, par une pensée positive, tu la visualises avec de la réussite, tu crois en toi, tu écoutes une musique qui te met de la joie au cœur, qui te donne une énergie de malade. Tu peux même, si t'en as envie, adopter la posture Wonder Woman ou super-héros, ça marche aussi. Tu prends 2 minutes dans ta salle de bain et tu vas faire changer le taux d'hormone. Comment ça marche? Tu mets les mains sur les hanches, comme ça, et tu te regardes dans la glace. Et vraiment, t'es la personne la plus puissante du monde. On peut avoir la version main sur les hanches, la version comme ça, la version je suis méga géniale et en même temps je pète le décor, tu vois, c'est formidable. Tu peux vraiment te mettre tel que t'as envie, le tout c'est que tu sois posé, ancré et que tu te sentes un super héros. 2 minutes et tu vas faire varier les hormones dans ton corps et produire des hormones qui vont te donner confiance en toi et qui vont te permettre de tout affronter. Tu souris, tu penses positif, tu visualises ta journée. Tu focuses sur les belles choses, tu crois en toi, tu réveilles cette espèce de... Comment dire, pas cette espèce, tu réveilles la personne positive qui est en toi, qui est capable de tout faire. Tu t'ouvres à l'amour, tu oses être dans le positif et tu vas voir que tout va changer. C'est parti, tu commences dès demain matin et tu mets dans les commentaires comment ça se passe au fur et à mesure. Je te remercie et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.